Et si l'écurie AlphaTauri disparaissait du monde de la Formule 1? C'est l'une des grandes discussions, des grandes informations qui sont en train de circuler d'ailleurs dans le monde de la Formule 1 ces dernières semaines. Il y a entre ceux qui disent oui, elle pourrait être vendue, voire même peut-être elle pourrait même disparaître prochainement de la grille, ou sinon elle pourrait être déplacée du côté de l'Angleterre. En tout cas, AlphaTauri, son avenir est menacé. C'est en tout cas ce que l'on comprend forcément de toutes les informations qu'on peut avoir. Au début de l'année, AlphaTauri pouvait être vendu, c'est ce qu'affirmait Amus. La nouvelle direction de Red Bull a déterminé que les résultats ainsi que la valeur marketing ne justifiaient pas les coûts élevés de l'écurie de la petite sœur de Red Bull. Soit l'équipe déménage en Angleterre, soit elle pourrait même être vendue. Voilà pour l'histoire un petit peu du côté de chez AlphaTauri. Il y a eu un démenti qui est arrivé quelques jours après ces informations-là de Amus, notamment en disant que Red Bull va continuer à supporter l'équipe dans le futur. C'est ce qu'avait affirmé Frenstos, qui est team principal de l'écurie. Sauf que la problématique, c'est que Frenstos est sur le départ. Frenstos ne devrait pas rester au sein de cette petite écurie italienne du côté de chez AlphaTauri. Frenstos devrait partir, selon les informations qu'on a pu aussi avoir. Frenstos ne devrait pas rester du côté de chez AlphaTauri. Donc certes, ça a pu être dit, mais ça ne se confirme pas l'histoire du côté de chez AlphaTauri, tout en rajoutant aussi une petite histoire par rapport à tout ça. Il faut savoir que Helmut Marko, avant ce démenti, avait effectivement confirmé que toutes les options étaient à l'étude concernant l'avenir d'AlphaTauri. Autre point aussi, Christian Horner avait discuté avec Joe Saward, un journaliste actuellement en Formule 1 et qui est dans le paddock depuis un certain temps maintenant. Et Christian Horner a dit à Joe Saward, non, l'écurie ne sera pas vendue. Sauf que d'ailleurs, Joe Saward a répondu, mais pour 800 millions quand même, vous vendez l'écurie. Ce à quoi a répondu Christian Horner, on verra. On verra, mais alors on attend de voir. Mais voilà, c'est pour vous dire que on va être très honnête. Hein. À l'heure actuelle, l'aventure d'AlphaTauri en Formule 1 est menacée. Et je rejoins effectivement l'avis de Red Bull. C'est vrai que il y a une histoire par rapport à ça qui est extrêmement intéressante. Faut quand même se rendre compte qu'AlphaTauri est basé en Italie et tout ce qui est soufflerie, je crois que c'est fait du côté de l'Angleterre. Vous imaginez les frais que ça engendre pour Red Bull, tout ça, toute cette histoire-là, de voir une écurie comme AlphaTauri basée à Faenza, donc une petite écurie italienne dans une petite ville italienne, envoyer tout ça du côté de l'Angleterre et tout. Non mais ça coûte une thune énorme. Donc finalement, et pourquoi je dis que ça coûte une thune énorme, il y a le Brexit, hein. Le Brexit, en termes de frais et tout, ça a engendré beaucoup plus de frais, hein. Donc, faut réellement reprendre reprendre contexte de tout ça. C'est pas rentable. C'est absolument pas rentable pour Red Bull. Et il y avait, alors, je sais pas si les Marseillais, je crois que c'est Christian Horner et le Parco qui avaient dit ça, mais je sais pas s'ils sont Marseillais, l'un des deux, hein. S'ils sont Marseillais les deux, quoi. Mais ils ont dit, justement, qu'en fait, AlphaTauri coûtait plus cher que Red Bull. En termes de rentabilité, il n'y a aucune rentabilité aujourd'hui à AlphaTauri. Donc l'idée, ce qui est en train d'être étudié, notamment par Helmut Marko, il y a déjà une chose, c'est que l'écurie pourrait changer de nom dans un avenir proche. C'est ce qu'a annoncé effectivement Helmut Marko. C'est logique aussi, la marque AlphaTauri a été quelque peu réduite, car ce n'est que dans quelques pays où nous courons que AlphaTauri est réellement vendu. Il n'y a que 3 ou 4 pays sur 23 au total au calendrier, c'est un petit peu peu. Enfin, il y a combien de pays? Non, on va dire 20 pays. La tâche est simple, il faut rapporter plus d'argent, améliorer des résultats. AlphaTauri n'est pas à vendre. De manière interne, il y a eu plusieurs considérations. Cependant, ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que AlphaTauri coûte plus cher que Red Bull. Bon, voilà, c'est Helmut Marko qui avait dit ça. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous restructurons? Est-ce que vous restez en Italie? Est-ce que vous déplacez peut-être même complètement l'écurie en Angleterre? Est-ce que vous vendez le tout? Ce sont les considérations que, lorsqu'une nouvelle direction arrive, vous passez par toutes les possibilités. Voilà, un peu comme... voilà un peu parce que par rapport à ce qui est expliqué
Helmut Marko par rapport au renouveau d'AlphaTauri, tout en sachant aussi qu'il faut se souvenir que c'était le patron l'ancien patron forcément de le créateur de Red Bull, Matešić, qui avait conclu le deal avec Minardi en rachetant l'écurie Minardi pour la faire devenir Toro Rosso. Il avait racheté l'écurie pour à peu près 80 millions d'euros si je me trompe pas, et il s'était tapé dans la main en disant l'écurie restera en Italie. Bon, maintenant Matešić est parti, Red Bull se dit finalement, on va changer tout ça. Oh, Kaelong, comment tu vas? Ah, t'as Kaelong? J'allais faire la vanne. J'étais en train de me dire que j'ai une caméra devant moi. Je peux pas la faire. Bonne journée à toi, Lely. Mais bonne journée à toi. J'espère que tu as passé une bonne journée, bien sûr. Installez-vous pour ceux qui viennent d'arriver. Bon réveil à tous ceux qui viennent d'arriver, les amis, pour cette matinale Motorsports. Bien sûr, les copains, pour bien se régaler, bien se réveiller dans la joie et dans la bonne humeur pour débuter parfaitement ce vendredi et donc bien débuter parfaitement ce beau week-end qui nous arrive. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. T'es devant ton setup, Kaelan, ou pas? Kaelan, dans deux secondes, il va me dire je peux venir vocal? Je peux venir parler Formule 1 le matin? Les rendez-vous le matin. En vrai, les lives le matin, c'est clairement le bonheur. Les lives le matin, c'est clairement le bonheur. J'adore ça. Franchement, les lives le matin, on se réveille, on est bien matinal. Je suis allé chercher mon petit pain au chocolat ce matin, mon croissant. Bon français, là, voilà, bon français. Si on peut dire ça ainsi. Bien sûr, mais bon. AlphaTauri qui change de nom. Alors, à votre avis, le chat. Réelle question, le chat. Est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri, et même dans les commentaires sur YouTube, hein, n'hésitez pas les copains, parce que ça sera en replay sur YouTube, bien sûr. À votre avis, est-ce qu'AlphaTauri va être vendu? Parce que l'une des informations qui avait été donnée par Amus, c'était effectivement que l'écurie pouvait être vendue. Soit Andretti, soit E-Tech Grand Prix, soit Mumbai Racing qui est détenu par un milliardaire indien. E-Tech est actuellement en formule de promotion, d'ailleurs est en pleine étude pour rentrer en Formule 1. Je crois qu'ils ont même déjà posé leur candidature pour créer une écurie de Formule 1 pour rentrer en Formule 1 prochainement. Andretti, bon bah ça on a compris. Andretti, ce serait pas bête s'il pouvait le faire. De Andretti a déjà pris ses quartiers du côté de Silverstone. L'un de ses quartiers du côté de Silverstone. Donc c'est intéressant aussi de prendre ça en compte. Mais c'est vrai que pour Andretti, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si Andretti rachète AlphaTauri, ils n'ont pas besoin de passer par la candidature de la FIA pour entrer en Formule 1. Tout en sachant que même si la candidature est acceptée par la FIA, il faudrait qu'elle soit acceptée aussi par la F1 elle-même et aussi par les écuries de Formule 1. Donc autant vous dire qu'Andretti à l'heure actuelle, c'est pas pour tout de suite. Je suis en plein petit déjeuner. Je suis en train de prendre mon pain au choco. Ah, c'est beau. Puis après, est-ce que tu vas à la salle ou pas après? Parce que moi, je vais à la salle après. Faut que j'aille à la salle. Après, juste derrière. Itex n'est pas des fonds russes, mais je... Oui, si, totalement. Totalement. Chocolatine. Allez, hop, toi, t'es ban. Bougez pas, on le ban. Oh là là. Le débat qu'il faut pas avoir. Tu vas l'éliminer? Oui, il faut que j'aille l'éliminer. Ta playlist est incroyable. Ah, toujours ici, c'est toujours de la bonne musique, bien sûr. Merci beaucoup, NDR. J'espère que tu vas bien. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri sera vendu? Ou est-ce que vous pensez qu'AlphaTauri va littéralement changer de nom? Enfin, de toute façon, je pense qu'AlphaTauri va changer de nom parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et comme elle dit, de toute façon, AlphaTauri, c'est vendu que dans 3 à 4 pays, hein, donc finalement c'est pas exceptionnel. Hein, donc, et encore AlphaTauri. Ouais, AlphaTauri, c'est pas une marque qui est incroyablement vendue aussi non plus. Hein. Et. Ouais, c'est pas incroyablement vendu. Pour moi, ils vont pas vendre, nous dit Kaelan. Ouais, c'est vrai que. J'avoue que j'ai du mal à penser qu'ils vendent, tu vois. Si c'est un beau, le pull aussi. Après, encore une fois, Rob, il y a aussi un truc, c'est que bah, ça colle bien aussi au monde de la Formule 1. Hein. C'est le luxe. Hein. La Formule 1, c'est le luxe. Hein. C'est pas un monde. C'est pas le monde de Monsieur Tout le Monde. Tu vois, c'est Alex, tu l'as racheté? Tu la rachètes? Allez, oui, Off-Track rachète AlphaTauri. Off-Track rachète AlphaTauri. Quel bonheur. Bon, ce serait beau. Hein. Ce serait beau si on rachète AlphaTauri. Mais bon, on a le temps avant que ça arrive, quoi, tu vois. OMG, oh oui. Après, si s'emboule le pull, encore une fois pour revenir sur sa robe, c'est du premium. C'est pas du luxe, c'est du premium, c'est différent. AlphaTauri, c'est devenu éclaté. Dommage, avant c'était une mini Red Bull. Bah là, actuellement, Tony, je suis d'accord, c'est très compliqué. C'est surtout pour ça que j'avais sorti la déclaration de Frenstos, qui était, elle est incroyable, la déclaration de Frenstos. Hein. Qui l'avait vu cette déclaration de Frenstos et c'est pour ça que. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, il y a Friends Toast pour
vous donner ce petit inside. Frensos ne devrait pas rester du côté de chez AlphaTauri. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Hein. Mais Frensos ne devrait pas rester du côté de chez AlphaTauri. Frensos serait sur le départ et devrait partir d'AlphaTauri. Ce qui est peut-être l'une des raisons de pourquoi AlphaTauri devrait aussi déménager, parce qu'il sent peut-être le fait que les choses sont en train de bouger du côté de chez AlphaTauri et que lui était habitué à une certaine vie. Et qu'il devrait s'en aller. Frensos qui avait dit au début de l'année, je crois que c'était après Bahreïn. Après Jeddah. Frensos est très critique contre ses ingénieurs d'AlphaTauri qui lui avaient promis une bonne voiture en 2023. Les ingénieurs me disent que nous allons faire des bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Non mais réellement, cette déclaration, elle est lunaire. Je suis désolé, la déclaration de Frensos, il balance quand même. Non mais... C'est toi qui le remplace ou... Non, mais je suis désolé, on se pose deux secondes. Rendez compte quand même que Frenstos... Mais Frenstos a lâché une gigabombe quand même, parce qu'elle est quand même incroyable. Rendez compte qu'il y a quand même un patron d'écurie qui a quand même dit que qu'il n'avait plus confiance en les ingénieurs de son écurie. Il n'a plus confiance en les ingénieurs de son écurie. Le mec balance quand même. Les ingénieurs me disent que nous allons faire des bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Nous nous attendions à une meilleure voiture, mais nous étions en difficulté à Bahreïn. Les ingénieurs me disent que nous allons faire de bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Je veux juste voir le temps autour, car c'est la seule chose qui compte. Pendant l'hiver, ils me disaient que la voiture était fantastique, que nous avions fait de gros progrès. Puis nous arrivons à Bahreïn et nous ne sommes nulle part. Que devrais-je dire? Maintenant, je veux nous voir aller dans la bonne direction. Prochainement, améliorer les performances de la voiture, voir que nous en sommes capables. En gros, on va être très honnête, hein. Frenstost, je vais y arriver. Frenstost, il s'attendait à aller voir Mission Impossible avec Daniel Craig et Tom Cruise. Finalement, il arrive au cinéma, il a vu Danny Boone. Exactement, c'est exactement ça l'histoire, hein. C'est clairement cette histoire-là qu'il a vu Frenstos, patron d'AlphaTauri, quand il a vu la T04 rouler. Il s'attendait à un truc incroyable, puis finalement, rien du tout. Rien du tout. Il a rien vu. Il a absolument rien vu. Il a vu une bouse. Vraiment, littéralement. Oh, la tête qu'il a dû faire quand vraiment, dans l'usine, on a dû lui dire « Eh frère, on a fait une monoplace incroyable, tu verras, elle va être dans les points à chaque fois. » Ça a fini dernier. Ça a fini dernier et c'est très très loin du rythme. Hein. Une monoplace qui est catastrophique, hein, littéralement. Hein. Vraiment, c'est terrible. Hein. Je suis fan de cette phrase. Eh, cette phrase, elle est incroyable. C'est la... Eh, je cache pas, les amis, que cette phrase, elle est juste exceptionnelle. Hein. Oui, c'est 117. Hein. Oh oui, clairement. Hein. C'est... Il pensait voir l'émission impossible, il avait OSC 117, je pense, hein, clairement. Ah, je suis désolé pour Renstos, hein, clairement, mais bon. Mais ça montre que du côté de chez AlphaTauri, ça bouge beaucoup. On sait pas encore dans quel sens on va aller. McLaren, c'est bien pire. Non, ils sont en train de se reconstruire. D'ailleurs, McLaren, ils sont en train de faire un programme. Ça y va, hein. McLaren, ça y va en termes de. Dans son programme de restructuration. Hein. Ça verrait James Kay, qui était pourtant un bon directeur technique, mais qui a fait de la merde dernièrement. Et derrière, là, ils sont en train de dépenser masse de thunes. En train de faire des essais privés à Imola, là. Ça y va. Et ça prouve aussi que peut-être que la réglementation doit peut-être changer par rapport à ça. Parce que là, à l'heure actuelle, McLaren, ils sont en train de tester certaines choses sur la voiture de 2021 pour la voiture de 2022. Enfin, la voiture de 2023, plutôt. Puisqu'on est en 2023. Donc, un peu spécial. Warsen, salut à toi. Salut à toi, Warsen. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, un petit peu voilà du côté de chez AlphaTauri, la situation est assez spéciale, mais la situation est très intéressante en vrai du côté de chez AlphaTauri. Et AlphaTauri, encore une fois, devrait peut-être pas disparaître non plus. Bah, AlphaTauri va disparaître de la Formule 1, déjà, autant se le dire en tant qu'écurie, mais ça sera renommé. Alors maintenant, quoi ce sera renommé, ça c'est une toute autre histoire. J'avoue que je suis curieux de savoir en quelle comment ça sera renommé AlphaTauri. Tout le budget de cap de McLaren est parti dans la résiliation des contrats. Ah oh, oui, entre Ricciardo, James Gate, tout le monde a... Le rachat de David Sanchez, voilà quoi. Enfin, pareil, les Alpines. Oh, on en parlera peut-être la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, on parlera d'Alpine, si vous voulez, hein, les copains. Mais ça m'intéresserait, la semaine prochaine, de faire un disque F1 sur AlphaTauri. Peut-être un disque F1 sur AlphaTauri, ouais. J'avoue que ça serait peut-être intéressant. Faut que je trouve un bon disque F1 la semaine prochaine à faire, les copains. Si vous avez des idées, d'ailleurs, les amis, si vous avez des idées de disque F1, n'hésitez pas, les copains. Hein. Un Qatari va l'acheter et ne vous inquiétez pas. Oh, t'inquiète pas que.
Alors, il faut quand même dépenser 800 millions, hein, visiblement, hein, pour acheter une écurie. D'ailleurs, toutes les écuries valent plus d'un milliard aujourd'hui, c'est ce qu'estime, c'est ce qu'affirme tous les patrons d'écuries d'ailleurs, donc va dépenser un milliard également. Donc, y a tout ça à prendre en compte, bien sûr. Bon, on verra comment les choses vont évoluer, bien sûr, autour d'AlphaTauri.